Salut tout le monde, c'est Dragodonna, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour débloquer la tête de dragon. Oui, vous avez bien entendu, la tête de dragon dans le hub d'attente. Alors petite astuce pour faire tout ce que je vais devoir faire, faites comme moi, mettez-vous en mode solo. Alors j'ai choisi le mode arène, après vous pouvez choisir le mode Elytra ou le mode dégringolade comme vous voulez, mais il faut être tout seul en mode partie publique et sur invitation, comme ça vous pouvez ouvrir les coffres, parce que si vous êtes en mode solo, vous ne pouvez pas activer les leviers ni ouvrir les coffres, et du coup c'est emmerdant. Donc j'enregistre ma voix par-dessus le petit gameplay que je vous ai fait pour vous montrer les petites astuces. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai activé un bouton et j'ai activé un levier qui a permis d'ouvrir une porte en fer. Où dans cette pièce on a pu voir un seau d'eau qui était dans une certaine position. Et là je vais vous montrer, donc voilà, là actuellement on voit deux blocs, donc blocs d'émeraude et blocs de diamant. En fait ça me servira à activer un code plus tard. Donc là j'ai activé le seau d'eau, en fait ça permet d'activer une porte plus tard. On appuie sur ce petit bouton pendant qu'on est sur le même étage, ça évite de faire des allers-retours. Et ce petit bouton, comme vous avez pu le voir, ça a débloqué le bloc d'or. En fait, c'est un code. Donc, le seau d'eau qui était dans le cadre nous a permis d'ouvrir la porte en fer qui se situe dans cette pièce-là pour activer un bouton qui coupe l'eau. Donc là, je vous montre bien qu'il y a... Là, normalement, il devrait y avoir le bloc de fer, logiquement. Donc, le bouton qu'on a appuyé où... ce qui a permis de couper l'eau, ça a coupé l'eau de la fontaine. Vous vous dirigez vers la fontaine où il va y avoir un petit levier qui nous permet de descendre tout en bas, mais on ira plus tard. Petit teasing. Non, pas du tout. Normalement, on peut y accéder quand vous êtes en mode en ligne via les élytras, le petit passage de un bloc au niveau de la fontaine. Avec les élytras, on peut passer dedans, mais ça, c'est la petite astuce pour que tout le monde puisse y accéder. Donc ensuite, il va vous falloir un arc et un stack de flèches. Peut-être pas forcément un stack, mais c'est gratuit, donc servez-vous. Il va falloir vous diriger dans la tour gauche et vous allez voir qu'au niveau de la porte, au niveau du deuxième étage, on va dire, vous avez un petit renfoncement. Il va falloir faire L2 pour activer la porte qui se situe en bas qui nous permettra d'aller dans le Nether. Mais ça, je vous montrerai ça après. Donc ensuite, dans cette première tour, vous avez une plaque de pression où il va falloir drop un objet dessus. Donc ça peut être très bien être un arc, une flèche ou autre. Je vous conseille des flèches. Parce que c'est stackable et ça évite de prendre deux arcs dans votre inventaire. Donc ensuite vous vous dirigez là où je suis actuellement, vous avez pris l'arc au tout début. Vous avez vu qu'il y avait une porte à droite qui était fermée, ce petit levier vous permet de l'ouvrir. Rien d'intéressant dans cette zone à part un disque. Je vais pas faire de tuto par rapport au disque parce que je ne sais pas à quoi ils servent. Donc vous montez tout en haut de la tour, vous avez la deuxième plaque de pression, vous y droppez un objet, et normalement, si vous avez réussi, vous devriez voir le petit feu d'artifice à travers la fenêtre. Donc cela signifie que vous avez réussi une des étapes pour débloquer un des crânes, et ça vous permet de débloquer le crâne du creeper qui se situe au pied de la fontaine, en face de la fontaine, voilà. Alors, il va vous... Pour débloquer la tête de dragon qui se situe dans le sous-sol, je tiens à le préciser, il va falloir que vous débloquiez 5 têtes. Creeper, squelette, wither squelette, zombie et la tête de Steve. Donc, deuxième étape, il va falloir rentrer un code. Alors, moi, je le connaissais d'avance, que je l'avais déjà trouvé. J'avais un petit peu d'hésitation, mais voilà. En gros, épée en diams à droite, épée en or en haut à gauche. Non, à droite, l'épée en fer en haut et l'épée en cobble en haut à gauche. Ce qui active le petit coffre. Au-dessous de vos pieds, excusez-moi, avec la tête de Steve. Ensuite, ici, vous avez des boules de neige, plus la petite indication de l'épée en fer. Donc, il y a les 4 épées qui sont dissimulées dans des cadres dans la map pour que vous puissiez trouver le code. Mais moi, j'y connaissais d'avance. Ici, de temps en temps, dans la map aussi, vous avez des petits easter eggs, vous pouvez vous stuff. Comme vous avez pu le voir avant, je me suis stuff cuir quand j'avais eu la citrouille. Là, vous avez un emplacement avec le stuff... cuir normal, avant c'était cuir coloré. Il y a un endroit où vous avez le stuff en maille. Plus tard dans la vidéo, vous allez voir qu'il y a un endroit pour l'armure en or et l'armure en fer. Et vous avez l'armure en diams, mais celle-là, vous l'avez que si vous gagnez une partie publique. Quand vous gagnez une partie publique, quand vous êtes premier, vous accédez à un petit hub, à un petit endroit que pour le vainqueur, et vous avez accès au stuff diams. Mais vous le perdez lors de la game. C'est juste
pendant 1 minute pendant le hub. Donc ensuite, je ne sais pas où je vais. Ah oui, je vais rentrer le code. Donc, dans ce bâtiment-là, vous avez... Alors, je vais là ou pas? Non, oui, non. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, donc là, je vais rentrer le code. Donc, je ne m'en souvenais plus trop. Donc là, vous avez or, émeraude, diamant. Donc logiquement, le premier, c'est fer. On n'a pas ouvert le compartiment où il y avait le bloc fer, mais on s'en doute. Donc là, fer en premier, donc or en deuxième, émeraude en troisième, et diamant en quatrième, ce qui vous ouvre aussi la petite trappe avec le coffre où il y a la tête de zombie. Donc là, vous avez 3 têtes sur 5, il nous manque que le squelette et le wither squelette. Donc vous allez accéder ici, alors ça c'est juste pour vous montrer l'épée en diamant dans quelle direction elle est par rapport au code. Je vous montre les emplacements. Je sais pas si j'ai... Alors la porte de base là a été fermée, donc vous l'ouvrez, vous mettez en sneak, vous faites double joystick gauche. Et puis vous voyez que l'épée en diamant c'était à droite. Donc l'épée en diamant c'est à droite, l'épée en fer tout droit. Et plus tard dans la vidéo je vous montre où est l'épée en or. Donc après vous avez juste à tourner l'épée en cobble si vous la trouvez pas pour trouver le code. Donc ici c'est pour débloquer les armures en or et en fer. Donc elles sont emprisonnées entre guillemets. Ici vous avez un bouton, vous appuyez une fois dessus et vous débloquez l'armure en or qui est descendue en bas. Ça active une plaque de pression qui vous permettra plus tard d'accéder au stuff or. Et ici vous avez un petit bouton qui fait pareil mais pour le stuff en fer. Et du coup dans la map il y a un endroit où vous avez des plaques de pression qui se situe ici où vous pouvez vous stuffer. Donc si vous n'avez pas fait ça en fait la petite grille est montée, vous n'avez pas accès à la, vous n'avez pas accès à la plaque de pression. Et ici vous avez l'épée en or qui est en haut à droite. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait cette étape là, vous vous dirigez dans le bâtiment principal où vous allez voir, bah, je vais vous montrer de toute façon, là je suis en train de m'y rendre. Il y a un bouton qu'il va falloir activer avec les flèches, donc il vous faut l'arc à tout prix. Donc vous montez tout en haut de ce bâtiment, voilà, au niveau de la terrasse. Et vous allez voir tout en haut, voilà, vous avez un petit dropper, enfin dispenser ou je sais pas quoi. Je suis pas très redstoneur donc je sais pas comment ça s'appelle. Avec un petit bouton, voilà, vous essayez de le shooter et vous allez voir qu'il y a un petit crâne qui est tombé de ce magnifique objet de redstone dont je ne connais pas le nom. Et vous avez le petit crâne normal. Donc ensuite vous vous rendez tout en bas. Vous allez voir au niveau de la porte en fer qui est ouverte au niveau des bottes de foin qu'il y a un petit levier. Vous l'activez, ça vous donne accès au Nether où vous allez trouver le dernier crâne. Donc le crâne du Wither Skelette. Et je vais vous montrer juste tout de suite là maintenant. Vous allez voir qu'il y a un petit escalier à gauche. Vous montez tout en haut. Et vous allez voir que, en fait, ça nous ramène à la tour, à la première tour où j'ai ouvert la porte via le petit bouton qui était coincé dans la tour, dans le petit escalier en renfoncement. Donc vous avez accès au Nether par là, en fait. Et ensuite, et ben, vous avez les 5 crânes qui sont disposés sur des lampes de redstone avec un petit coffre. Un petit coffre, excusez-moi, et en dessous vous voyez qu'il y a un petit entonnoir. Donc vous mettez les têtes une à une pour éviter que ça bug. Et vous allez voir que si vous mettez la tête qui correspond, et ben la lampe de redstone s'allume. Et une fois que vous avez mis les 5 têtes, et ben je vous laisse regarder. Donc là j'ai mis la tête de Zonzon, de Bibi, de Zombie. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Donc là la tête de Wither Skelette et la dernière, la tête de Steve, qui nous permet d'ouvrir les deux portes qui sont sur le côté de la grille en face, comme vous avez pu le voir. Hop, donc je me précipite de rentrer dedans, en sachant que cette pièce-là, je n'étais jamais rentré avant, donc comme vous pouvez le voir, je fouille un petit peu, voir s'il n'y avait pas un petit bouton ou un petit levier caché, on ne sait jamais, hein, Mojang, ils sont assez, fourbes pour nous cacher un petit bouton quelque part, hein, comme vous avez pu le voir. Mais au final, j'ai rien trouvé, donc voilà. Et là, magie, la fameuse tête de dragon que tout le monde attendait. Oh, c'est beau, avec la petite armure. Tête de dragon, armure en diams, je pense que ça peut faire du malheur. Donc voilà, c'était un petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à la prochaine.